Eh bien, salut tout le monde, c'est Sidring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur Kong King pour jouer Scoot avec un loadout des plus exceptionnels. Oh, attendez, attends. Ah, c'est un hacker. Putain, j'allais dire, attendez, on va se le faire en mêlée. Bordel de merde. Et donc, nous revoilà, mesdames et messieurs, cette fois-ci dans une nouvelle game. Bon, finalement, on jouera pas sur Kong King, on jouera sur Ikepass, bon, c'est pas grave. On se retrouve, mesdames et messieurs, pour jouer Scoot, avec, du coup, un loadout périmé. Voilà, j'ai voulu faire la petite blague. On joue avec la force de la nature, la guillotine volante et le marchand de sable, évidemment. Donc oui, mesdames et messieurs, en fait, pour ceux qui le savent, ça vous le savez tous, c'est que pour les LMDC, ce que je fais, c'est que je prends toujours... j'ai fait de la grosse merde. Comme quoi, même si le combo est mort, ça ne change pas. Pour le LMDC, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends des armes que j'utilise pas, je prends des trucs qui ne vont pas forcément ensemble, pour faire le lol, pour faire la blague, pour essayer de créer du challenge et, on va dire, un semblant d'intérêt aux vidéos. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'étais chaud pour faire une petite vidéo en heavy, et je me suis dit, tiens, vous savez ce qui serait marrant? Bah, prendre ce combo-là, le combo Sandman-Guillotine, un truc qui ne fonctionne plus de nos jours, voilà, je vais... Ah non, le mec ne s'est pas retourné, je pensais qu'il allait se retourner dès que j'allais lui tirer dessus, mais apparemment non, j'ai touché les deux. Oh, 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 attendez, attendez, je me concentre. J'ai raté. Heureusement que j'ai dit je me concentre, putain de bordel de merde. Donc du coup, oui, désolé, hein, je suis déjà perdu dans mes explications. Donc du coup, je me suis dit on va jouer avec un truc qui n'existe plus. Eh, hey, salut. Voilà. Oh, 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 il y a le pyro. Non, non. On ne peut jamais s'amuser dans ce jeu vidéo. On ne peut jamais s'abuser. J'ai bien aimé le saut là avec la kill cam qui était bien mise et tout. On aurait dit qu'il était en train de voler, mais sans jetpack, c'était pas mal. Et donc ouais, je me suis dit que ça pourrait être marrant de l'utiliser. Bon, évidemment, je ne m'attends pas à faire un super score. Déjà parce que c'est des armes que j'utilise pas vraiment. Enfin, si, le Sandman j'utilisais, mais voilà, c'est des armes bof bof, on va dire. La force de la nature, c'est une arme que j'ai abandonnée il y a tellement longtemps. Déjà, j'ai jamais été bon avec. Mais alors, regardez, hop, un truc qu'on peut faire qui est sympa. Voilà, c'est ça, c'est se faire. Ah merde, il est mort. C'est des avec un petit jump comme ça avec la force de la nature, ça marche toujours, ça c'est plutôt sympa. Mais ouais, j'ai jamais été fort avec la force de la nature, je l'ai utilisé un petit peu comme tout le monde, mais là j'ai envie de vous dire, depuis le temps que je m'en suis pas servi, ça pique un peu parce que moi j'ai repris l'habitude, enfin j'ai même pris l'habitude tout court du scatter gun de base. Vous voyez là par exemple, j'ai sauté, j'aurais pas dû parce que ça m'a fait reculer, mais comme je n'ai pas l'habitude, et ben automatiquement, oh je l'ai eu, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu, automatiquement ça me fait reculer, mais j'ai pas l'habitude de faire ça, donc automatiquement, pourquoi je m'approche alors que c'est un pyro? Je ne sais pas, je suis débile, que quelqu'un me paye une... Attendez, je finis ma phrase en deux secondes, voilà, fou. Que quelqu'un me paye une séance de... Je ne sais plus, finalement, payez-moi une séance de cinéma, si vous voulez, payez-moi ce que vous voulez, je m'en branle. Ah, moi, j'aime ce qui est gratuit. Hop, le pyro... Oh ah, toujours insister sur le haut de la fin, ça aide à faire des kills. Bon, on touche quand même avec la guillotine. Bon, ça, on fera pas de combo, mais on peut toujours jouer un petit peu avec la guillotine et s'amuser avec. Voilà. Bon, en temps normal, c'est pas l'arme que j'utiliserais, mais ça, vous voyez, j'ai encore reculé. Je m'y attendais pas parce que cette arme et moi, ça fait deux. Vas-y, sors. Oh non, il y a le pyro derrière, hop hop, oh je l'ai tué avec les saignements. Oh allez hop, on prend le pack de soins qui est là, hop, oh le démoman, non, oh, peut-être que si, ah non, c'est finalement notre ami Scoot, voilà, bon, bon ça va, c'est quand même plutôt marrant jouer la force de nature, mais bon, je sais pas, la force de la nature ça a jamais été mon délire, je sais qu'il y a des gens qui ont toujours adoré cette arme, mais... Je sais pas, je sais que ça fait plus de dégâts et tout, mais putain, deux coups, sérieusement les gars, quand on s'est pas visé comme moi, regardez, la preuve en image, quand on s'est pas, ah, j'ai jump pour rien, finalement, hop, faudrait que j'essaye juste de toucher quelqu'un avec la balle, bon, plus facile à dire qu'à faire, oh, j'ai touché avec la guillotine, mais décidément, et encore un kill avec les saignements, mais décidément, je ne sais pas jouer, mais j'ai quand même de la luck. Je disais justement que ce combo était basé que sur la luck, bah, vous voyez que le combo n'existe plus, mais j'ai encore la luck, une luck suffisante, en ce qui concerne, tout simplement, ça c'est un spy, arrête de me prendre pour un con, il y avait le démo man, et merde. Et finalement, oui, j'ai encore de la chance avec la guillotine, donc c'est plutôt suffisant, on va dire, pour le moment. Voilà, alors on va recapturer le point. Hop, on va se dépêcher. Oh, on a un téléporteur. Oh, nice, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, d'accord, oui, je suis con, il a build tout là, on l'a vu tout à l'heure, mais... Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, putain. Hop,
C'était un spy ou c'était vraiment notre scout qui passait là? Je ne sais. Oh, il y a une sentry par là. Je n'aurais pas. Oh, j'allais dire que je n'aurais pas la sentry, mais je peux toujours essayer d'avoir l'ingénieur. Mais on va détruire le TP au pire. Hein. Voilà, ça sera déjà ça en moins. Hop, meurs de saignement s'il te plaît. Voilà, putain, on fait que des kills en... Oh merde, bon tant pis, je suis mort. On fait que des kills en saignement. C'est énorme. À l'époque où je jouais quand même ce loadout avec le combo, je pense que je ne faisais pas autant de kills avec la guillotine seule. C'est n'importe quoi. Ah, qui sait, peut-être que finalement je vais changer. Oh, peut-être que finalement je vais changer. Ah, j'ai pas touché. Je vais changer d'avis et je vais me mettre à jouer la guillotine à la place du pistolet. Attention, c'est une blague. Le pistolet de poche du beau gosse reste quand même vachement mieux. Mais écoutez, bon après c'est différent. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'après elle se recharge quand même plus vite. Ah voilà. Évidemment, là pour le coup, là le heavy, vous voyez le fait qu'il joue avec la Natasha, là ça m'a niqué mon rêve. Hein. 19 HP, j'aurais dû essayer de tirer sur lui, tiens. Alors lui là-bas, il a du courage aussi. Alors on sait pas pourquoi il joue avec ça, mais écoutez. Peut-être quelqu'un d'autre qui fait une vidéo pour YouTube, peut-être quelqu'un d'autre qui joue de la merde, qui joue comme une merde, qui... C'est-à-dire qu'il s'appelle Sidring, non, pour moi il y en a qu'un, mais... Waouh. Alors, toi... Ah bah, finalement, un tir ça suffit. Vous voyez, moi j'ai l'habitude du scatter gun. Oh, moi j'étais parti pour... Oh merde. J'étais parti pour bombarder le mec, mais finalement pas besoin... Ah, ça a pas touché, je suis deg. Finalement pas besoin... il est passé où? Et il est parti? Ah merde. L'ingénieur, il est revenu. Apparemment non. Bon bah écoutez, on va venir ici pour... Oh oh oh, il y a un démoman qui vient de voler. Ah non, il est avec nous, j'ai cru que c'était un spy la façon dont il est arrivé. Ouais, vas-y, tu veux qu'on... Ah d'accord, bon, on va te faire foutre. Et toi, tu veux qu'on... Hop. Ah oui, mais c'est tout... Ah, bon, tant pis. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis trop crevé pour me rappeler des raccourcis. Alors du coup je fais ça, je suis obligé de regarder les touches et de regarder mon clavier en même temps et d'être là genre, attends, quelle touche fait quoi déjà? Putain, je suis pas en état de faire des vidéos, bordel de merde. Oh, c'est tout ce que l'on aime, c'est tout ce que l'on aime dans le mercredi des casus. De la fatigue, du no skill, du no brain, c'est génial. Alors, on va se dépêcher de passer là parce qu'il y a l'ingénieur. Oh, c'est pas un ingénieur ça. Alors, est-ce qu'il va passer? Hop, saignement. Il est pas mort de saignement? Putain, l'arnaque! Oh, je suis dégoûté! Oh non, pas lui! Non, pas lui! J'ai tiré n'importe comment, mon gars. Hop. Oh, oh, oh! Le... Non, 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 ta maman! Non, non, non! Ton papa, si tu veux, je m'en prends! Bordel. Bordel. Un duel titanesque, c'était énorme ce qui vient de se produire. Oh putain, Valve bientôt va suspendre mon compte. Ils vont dire, écoute enculé, vu la pub de merde que tu fais à notre jeu, on croit que on va arrêter le massacre, on va t'empêcher de jouer à notre jeu, de faire des vidéos dessus, parce que là c'est de pire en pire. Et vous avez raison, Valve, vous avez raison. Rendez-moi mon argent avant, mais vous avez raison. Merde, j'ai raté le jump. Bon, c'est pas plus mal, parce que comme ça, je peux me taper lui. Attendez. J'ai jeté ma guillotine, jusque-là, on est d'accord. Où est passée ma guillotine? Dans quelle dimension parallèle a-t-elle atterri? Non mais, what the fuck? J'ai jeté... Non, à mon avis, c'est parce qu'il y a le scout allié qui est passé devant, alors du coup, ça a bloqué le projectile, mais... Putain! mais la guillotine, c'est ma seule façon de faire des kills, bordel de merde! Faut pas que les alliés commencent à la bloquer avec leur corps, quoi, merde! Non, pas du tout, hein, je sais pas qu'est-ce que j'espérais, mais... Mais, non. Voilà. Alors lui, il m'a pas vu, je sais pas pourquoi. Le mec ne me regardait pas, finalement. Ah! Attends, il y a un spy qui m'a tué au revolver, à l'autre bout. Genre, dans le normal, et c'était même pas que l'ambassadeur, quoi. c'est pas bien, Cédric, de faire des blagues comme ça, des triggers tous, mais écoutez... Oh non, putain, il y a encore les bots, bordel de merde! Putain, encore eux, mais... Oh là là, j'adore TF2 en ce moment! Oh, c'est génial! C'est super, il y a que des cheaters, bordel de merde! Ah. Bon, j'espère qu'ils vont les kick avant la fin de la truc, parce que sinon... Alors, on en a un dans notre équipe ou pas? Pour le moment, non. Ah non, ils sont tous en face!
Oh, j'espère qu'ils vont les kick, bordel de merde. Je suis désolé parce que là, honnêtement, je me sens pas de refaire encore un enregistrement et tout parce que il y a que ça, des bots partout. Avant, les bots c'était que sur Harvest. Et là, en ce moment, il y en a sur toutes les maps. Ça commence à me péter les couilles. Tu joues en King of the Hill, il y en a. Tu joues en point de contrôle, il y en a. Tu joues en charge utile, il y en a. Ah. Oh, c'est super. Je sais pas pourquoi. Bizarrement, on est en train de gagner. Et je sens que l'équipe rouge ne va pas vouloir les kicks. Je sais pas pourquoi. Je le sens gros comme une maison. Vous allez voir. Vous allez voir ça dans 2 secondes. Voilà. Ça sert à rien, hein, du coup, d'avoir jeté ma balle. Mais écoutez, j'essaye. Oh. Nice. Est-ce que le kit de soin va réapparaître? Hop. Oui. Oh. Il y a le sniper sur le côté. Ah ouais, mais c'est le cheater. Ah, ça, je sais le spy. Ah putain, je suis dégoûté. Putain. Ça me fait chier parce que. Je sais pas quoi faire là. J'ai envie d'arrêter le record, d'arrêter cette vidéo de merde. Et de vous proposer autre chose, du coup. Maintenant qu'il y a des cheaters dans la game, c'est même plus la peine de jouer. Mais le souci, c'est qu'il y a que ça. Putain, combien de games je vais devoir faire, bordel de merde? Et pourquoi les gens ne veulent jamais les kicks? Enfin, si, je sais pourquoi, parce que c'est facile, cool de gagner, bordel de merde. C'est bien de gagner quand il y a des cheaters dans votre équipe, putain. Et voilà, et on va perdre le round. Hein. Pas parce que l'équipe aurait été meilleure que nous, mais parce que. Oh lol, c'est marrant, il y a des cheaters, mais écoute, on va pas les kicks, on va pas les kicks. J'ai même plus envie de jouer, sa mère. Bon, vous savez quoi, écoutez, je suis désolé. Ah lui, il est sympa. Écoutez, je suis désolé, les gars. On va arrêter la vidéo là. Écoutez, les mecs ne veulent pas kick, les mecs ne veulent pas. J'en ai marre. Écoutez, j'en ai plein le cul. Il y a que ça, des cheaters tout le temps. Et je vais pas vous mentir, si la semaine prochaine ça continue, qu'il y a encore que des cheaters à toutes les games que je lance, eh ben je ferai pas de vidéo. Voilà, je vous ai prévenu, si mercredi prochain il n'y a pas de vidéo, voilà. J'en ai marre. Écoutez, j'en ai marre. Merci quand même à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment désolé de finir cette vidéo comme ça, de vous proposer une vidéo de cette qualité, mais là j'en ai plein le cul de TF2 en ce moment. Sur le casual, il n'y a que des cheaters, ça. On va s'arrêter là. Allez. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo malgré tout. Et à très bientôt. Et je quitte cette putain de merde.